Faut arrêter, hein. Tu oses? Ouais. Il est pas bon, ça. Il est pas bon, lui? Oh non. Il est dégueulasse. Oh non, non, il est bon. Je vais pas regarder, c'est dégueulasse. Je l'ai dit. Il a réussi, genre. Je le trouve très bon. Putain, mais t'es vraiment un vendu, toi. T'es un vendu, tu nous as toujours dit que tu trouvais pas bon. C'est pas vrai, tu es menteuse. J'ai jamais dit que je le trouvais pas bon. Il est pas bon. Elle est menteuse. T'as dit que je le trouve bon, Thomas. Tu n'es pas bon. Parce que nous, on s'est servi la publicité pour faire des Tinto de Verano. Non, moi, je l'ai pas mauvais. Et voilà, il y a finalement... C'est bon, on est... Ça va être tout sale maintenant, je suis tout gras, mince. C'est le film en plus, là. Oui. J'en ai pas de poubelle. T'as pas de poubelle, qu'est-ce que tu veux? On met la poubelle dehors. Elle est dehors, la poubelle. Bah, et elle est jamais sortie, la poubelle, alors. Hein. Elle est jamais sortie, la poubelle? Bah, c'est pour faire du compost. C'est mon pied. Oui, bah, roulez sur le pied aussi. Bon, ouais, je suis déjà en retard. Hein. C'est fou comme j'ai peur. Que vous disparaissiez. Que même le souvenir s'échappe. Le souvenir de vos voix. De vos sourires. De vos visages. C'est par vagues que le reflux de mes doutes et de mes peurs s'écrase contre les parois grumeleuses de ma tête. J'ai hâte d'être à la maison. Rose, tu m'écoutes? Il faut que tu trouves un travail pour cet été, hein. C'est maintenant qu'il faut démarcher. Je sais. C'est Clément. T'as faim? Ça avance vos projets? Bon, là, pour jouer cet été. Ah, il nous faut des lieux, il faut que je demande les droits de la pièce. Mais bon, avec la compagnie créée officiellement, ça devrait être plus facile. T'as acheté le timbre fiscal? Non, mais je vais le faire tout à l'heure. Ah, et j'ai invité les copains à venir ce soir, ça vous dérange pas? Non, moi je travaille. Et moi j'ai une réunion. On n'a pas terminé? J'ai pas l'impression d'être... J'ai pas l'impression d'être... J'ai pas l'impression d'être... Ce gars-là, genre, il a tellement de chance, genre, dans tous ses films, enfin, il a pas d'accident de voiture alors qu'il roule à contre-sens. Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'il y a une force supérieure qui le protège, tu vois. Et par conséquent, Jules a décidé d'aller à l'église de la Scientologie pour faire un spectacle. Il y a vraiment des moments où tout m'échappe. Et au final, le dieu de la Scientologie nous a tous bénis. Je distribue, tu devrais expliquer rien parce que j'ai un petit peu de choses. Et t'étais pas là, toi, c'était Nico à ta place. Ouais, du coup, je vais faire des doubles. Coucou, Sarah. Coucou, Sarah. Mais si, tes chaussures, t'avais du mal à les retirer. Attends, non, pas spécialement. Ah si, la dernière fois que t'es venue, t'avais du mal à retirer tes chaussures, t'as passé un temps dingue dans l'entrée à retirer tes chaussures. Qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de la dernière fois. Mais non, la dernière fois que j'étais venue, c'était pour ton anniversaire. En plus, je suis restée dehors. Non, il faut recommencer, hein. Parce que là, c'est pas comme la dernière fois. Hein.
Donc tu sors, tu reviens avec ta valise et tes chaussures à la selle, parce que la dernière fois Nico était là, aujourd'hui il est pas là, toi t'arrives sur ta valise, donc tu recommences. Quoi? Hein? Vous êtes tous là pour faire des efforts, c'est quand même simple que je dis pourtant. Mais qu'est-ce que vous avez à me fixer comme ça? Solitude inextricable qui pèse lorsqu'on ne l'attend pas. Là, c'est quand je me suis cassé l'arcade. Et là, le chat est tombé. Il est resté les pieds sur les lampes, les deux pattes sur la lampe comme un con. C'est maman qui l'a trouvé. Et le canapé. Avant, il était de l'autre côté, face à la fenêtre. C'est pas compliqué? On était chez papy avec tout le monde. On était chez papy avec tout le monde. C'était avant le mariage de Belinda et Francis, avant qu'ils repartent à Montréal. Il y a papy qui me roule dessus avec son déambulateur. Il y a eu le concours de galettes entre papa et Cécilia. Papa était malade, il n'est pas venu et Cécilia a gagné. Maman était la reine et papy le roi. Papy était... le roi. Francis est arrivé au moment du plat. Il a posé son nez sur l'objectif, il y avait du gras partout. Maman et Alain ont parlé de la cuvée de vin de papy qui est dégueulasse. Mumu avait les mains froides. Je suis passée sous la table pour distribuer la galette parce que c'est moi la plus jeune et j'ai attendu là. C'était interminable, ils m'ont laissé là à attendre, j'ai attendu, ça criait de partout, ça hurlait, j'ai attendu là, j'ai eu peur et le chat est mort. Mon chat est mort, Luc. Luc est mort, le grand Michel est mort, la chienne de mamie aussi est morte, mamie est morte. Papa est mort et maman et papy et ma sœur est morte et les amis, la famille, tout le monde. Tout le monde est mort. Je fais des films de famille. Les derniers jours. De mon papy. Oh. Oh, attends, je peux juste. C'est vu. C'était trop. De quoi? Non mais ta carte. De quoi? On a... Léa, elle a peut-être me touché les pieds. Non, mais c'est bon, j'ai gagné. Du coup, il mange pas. Non, non, mais attends. Attends, t'as quoi? Non, mais cherche pas. T'as 14, t'as combien? Non, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, mais il a 14 aussi. Ah, mais ah bah, et du coup, ça veut dire que j'ai le droit à une raquette. Ah quoi?
Mais j'ai pas perdu, on est ex-aequo. On est ex-aequo. Je suis pas dernier. Ah, faut refaire une partie. Ouais, non, ah, bon, non, refaire une partie. Ah, obligé, obligé. Obligé. Le retardateur pour toi. Donc, je vais pas chercher. Non, il est pas mauvais. Non, il y a que Béatrice. Ah, mais c'est marrant comme les gars, vous avez toujours les cheveux. Non, mais ça, c'est le redon que tu as. Ouais, hein, grave. Ouais, j'ai rien vu, c'est l'autre, moi. Papy. Ah. Bah, enfin, l'autre, c'est la dit que non, non, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Mais c'est pas le pire, de loin. C'est pas le pire, mais on est pas loin. Ah, bah, c'est sûr que si je t'emmène du Préfontaine, ça, c'est sûr. Il est un peu fort. Moi, j'ai été élevé au JVR, le velours de l'estomac. Bouteille plastique. Il y a d'autres bouteilles que ça, hein. Ah, non.